Bonsoir, merci de votre fidélité à Télé+. Voyons ensemble la une de cette édition d'InfoSoir. Il a cru vivre les derniers moments de sa vie. Roland, 84 ans, a été victime d'une agression sanglante à Résidence Lacœur ce matin. Il a été tailladé au cut-up par son beau-fils qui a pris l'argent de sa pension pour se procurer de la drogue, selon sa mère. La police est à ses trousses. Parallèlement, plus de 500 cas de maltraitance envers les personnes âgées enregistrés par le ministère de la Sécurité sociale depuis le début de l'année. La directrice de la Financial Intelligence Unit porte plainte pour menace. Elle soupçonne un des protagonistes impliqués dans l'une des enquêtes menées par l'organisme. Plus d'un milliard de roupies déboursées sous le Film Rebate Scheme à Maurice depuis 2016, révèle le ministre des Finances par intérim, Sunil Bola, lors de la PNQ du leader de l'opposition à l'Assemblée nationale cet après-midi. Xavier Luc Duval réclame une révision des critères avant le décaissement des fonds. Le torchon brûle entre Kailesh Jagatpal et Faradomir. Le ministre de la Santé sort un rapport réclamant une enquête sur le docteur Faradomir après le décès d'une patiente. Le député travailliste précise qu'il n'a jamais été inquiété ni par le Medical Council et encore moins par le bureau du DPP. On fait le point dans ce journal. Sur le plan international, il est encore possible de mettre fin au sida d'ici 2030, selon l'ONU. La maltraitance envers nos aînés n'en finit pas. 561 cas enregistrés sur les 6 premiers mois de l'année par la Welfare and Elderly Persons Protection Unit du ministère de la Sécurité sociale. Très souvent, la dépendance à la drogue en est la cause. Comme ce matin à Résidence Lacœur, où Roland, 84 ans, a été agressé au cut-up par son beau-fils. Il a été blessé au visage et a eu le tendon du pied sectionné. Il est actuellement admis à l'hôpital Jitou. Chantal, l'épouse de la victime et mère du suspect, affirme que cela fait 3 ans qu'ils vivent un véritable calvaire au quotidien, soit depuis que son fils, âgé de 42 ans, s'est plongé dans l'enfer de la drogue. De l'homme qui ouvre la porte de la cuisine, dans son écart éteint, avec une quête. Il a la lisseuse, on appelle l'état mobilier, il peut commencer l'état au boulot, il se la joue, se délarmer, se tendon. Ben, si il n'est pas capable, mon beau-père, il n'a qu'à être là, se la met. Il a la lisseuse, une fouille de pouce, il a 5 000 roupies. Tu prends ça de ce pouce, et tu peux aller passer des fois, tu commissions encore, de la case. Là, il n'existe pas derrière, il passe pas derrière. La cage, les sept que mon voisin là, y aller. Les drogués. Les qui 3 ans. Il les a rapportés, la police? Oui. Il les a balbolement coup. Les coquins bolom, selon son, les lannes depuis la police, il n'a fermé 3 ans. Pas corrigé même. 84 ans, il a faibli. À l'hôpital, l'ambulance, il prend une arrêt. Le suspect est activement recherché par la police. La directrice de la Financial Intelligence Unit, Christelle Charlette, soupçonne l'un des protagonistes impliqués dans l'une des enquêtes menées par la FIU d'être l'auteur de la menace qu'elle a reçue par courrier électronique le 3 juillet dernier. La femme de 42 ans a porté plainte au poste de police de Rosilière. Dans sa plainte, Christelle Charlette affirme que l'auteur du mail l'a averti qu'il surveille de près ses faits et gestes. Elle a remis une copie du mail à la police. L'humoriste Visham Ramdou arrêté après l'agression d'un policier à la rue Farquhar dans la capitale hier. L'homme de 28 ans, habitant Floréal, aurait foncé sa voiture sur un constable qui lui aurait fait signe de stopper son véhicule pour un contrôle routier. Dans sa plainte, le policier explique qu'il a été traîné sur plus de 10 mètres alors qu'il avait la main coincée dans la vitre du véhicule de l'humoriste. Blessé, l'agent a reçu des soins à l'hôpital. Visham Ramdou a été arrêté 1 heure plus tard et a été placé en détention policière.
Le propriétaire du hors-bord qui s'est échoué à La Réunion a porté plainte pour le vol de son embarcation hier soir au poste de police de Baie-du-Tombo. Cet entrepreneur de 35 ans explique qu'il a pris connaissance de cette affaire dans les médias et quand il s'est rendu dans le lagon de Baie-du-Tombo, il a effectivement constaté que l'embarcation dont il avait fait l'acquisition en mai dernier avait disparu. Les détails avec Shehzad Jadou. Dans sa plainte, le propriétaire explique avoir pris connaissance dans les médias que les autorités réunionnaises avaient mis la main sur un hors-bord dans la matinée. Vers 15h30, il s'est rendu à Baie-du-Tombeau pour un constat, mais à sa grande surprise, il a constaté sa disparition. Dans la soirée, il s'est rendu à la police pour faire une déposition. Il explique qu'en avril dernier, il a appris que l'ancien propriétaire voulait vendre l'embarcation et il est parti à sa rencontre. Après des négociations, les deux sont tombés d'accord sur le prix de vente, soit à 600 000 roupies. Le 8 mai, ils ont signé les documents pour la vente et une semaine plus tard, il a pris possession de l'embarcation. Depuis, le hors-bord est resté dans le lagon de Baie-du-Tombeau. Il n'a pas été utilisé car les deux moteurs étaient défectueux. La dernière fois qu'il s'est rendu sur place pour des vérifications remonte à 2 semaines. La police compte visionner les images des caméras de surveillance de la région pour tenter d'identifier les personnes qui ont pris possession de l'embarcation pour se rendre à l'île sœur. Les enquêteurs mauriciens et réunionnais sont d'avis que l'embarcation a été utilisée pour une transaction de drogue. Plus d'un milliard de roupies déboursées sous le Film Rebate Scheme à Maurice depuis 2016, chiffre fourni par le ministre Sunil Bola à l'Assemblée nationale. En l'absence du ministre des Finances en mission à Cap-Verdé, le leader de l'opposition a parlé d'un énorme gaspillage de fonds publics et selon lui, 90% des films tournés à Maurice sont des flops. Xavier Luc Duval a réclamé une révision des critères avant le décaissement des fonds et que des experts siègent au sein du Film Rebate Committee pour une meilleure évaluation des projets extraits. The little that I know about film industry, Mr. Speaker, sir, there are films that do well, but there are certain flops. Do you believe that those who promoted those films, the producers and the directors, they knew about how this film was performed? Now we are asking about the competence of these people. How will they know? Mr. Speaker, I have also got the list of people, of films we have subsidized with taxpayers' money to the tune of 1.1 billion rupees since this government took over. Are you aware that 90% of these films are total flops? If 90% of total films are flop, I don't have such information. If these films are flopped, you mean to say all those films that are shot in Mauritius, 90% of those films are flops? Yes. But what about the expenditure that they make here? Exactly. So that is why I'm asking you, had these people had the competence to be able to help you to answer, they would have given you the box office results. But they cannot, because they do not know. Big comments about the people. So I'm reporting to you again. That is a huge wastage. Don't express opinion and remarks. Le docteur Kailesh Jagatpal rétorque à son tour au propos du député Farah Domiyar. Le ministre de la Santé brandit un rapport où la famille d'une patiente a réclamé une enquête sur le docteur Farah Domiyar, une affaire qui remonte à 2008, suivant le décès de la patiente. Kailesh Jagatpal participait à une cérémonie de remise de diplôme au Mahatma Gandhi Institute à Moka cet après-midi. À l'époque là, docteur Omiel, il tient le privilège, il tient un public officer, qui peut travailler dans le ministère de la Santé, dans l'hôpital. Il tient un public officer qui tient le privilège de faire private practice. Et ça à l'époque là, Mopé Kozu en 2017, il prend un long sick leave. Long sick leave, ça veut dire plusieurs semaines. Et quand le TIFER prend sa sick leave là, il veut dire le sick leave dans l'hôpital, comme un fonctionnaire public. Mais seulement il y a le travail dans le privé. C'est là qu'il ne le connaît là. Parce qu'il faut des patients devant l'investigation. Quand un patient est décédé, c'est là qu'il va le connaît. Comment se fait qu'il ouvre comme un public officer pour l'hôpital ou dire aux malades, on prend long sick leave, mais dans le privé, on peut pratiquer. Qui à l'arrivée, il fait une césarienne avec le patient. Et là, le patient développe ce même problème qui provoque l'élème qui est dans la complainte. Il arrive ça, qui peut arriver là. L'idée comme ça, qui ça ne coûte là, mais l'idée comme ça, qui ça jour que l'idée fait sa césarienne là, supposément l'île au cycle, l'idée fit pour les pratiquer la médecine et l'idée capable de faire une césarienne. Mais en même temps, au cycle et en même temps, césarienne. Comment on arrive ça? Dieu là.
il prend un medical certificate. Il vient dire comme ça, que ça c'est un certificat qui dit qu'il est fit. Alors, on nous attend ça, qu'un dimon qui est si malade, qu'il connaît dans une case lourde, il dit qu'il est fit. Il est fit pour faire la pratique, il donne un medical certificate qui m'a fait. Sollicité pour une réaction, le député du Parti travailliste Farah Domia réfute les propos du ministre Jagatpal et affirme qu'il n'a jamais été inquiété ni par le Medical Council et encore moins par le bureau du DPP. Il irait dévier l'attention en racontant des histoires. Moi, je suis noir sur blanc, je suis parti employé du ministère de la Santé à cette époque. Je suis fini résidant bien avant, suite à un cycle motivant évidemment. Et je n'ai pas remarqué pour qui raison l'EPV raconte ça. Il servi immunité parlementaire pour dire qui DPP, qui dit poursuivre. Et je approuve ça par Hanson. Ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas de ce qu'il dit en licence causée vidéo. Mais musical causée, il n'y a rien. Non plus, je vais faire. Voilà les blancs, non, je suis blanc sans. La suite de ce journal après la pause. Une correspondance envoyée au Premier ministre pour réclamer une rencontre urgente suivant le licenciement de Yogita Babu, annonce du syndicaliste Radhakrishna Sadian face à la presse cet après-midi à Port-Louis, suivant une rencontre entre les représentants de divers syndicats qui se sont regroupés sous un front commun. Le président de la State Other Employees Federation affirme que les syndicalistes ne comptent pas baisser les bras, prenant également la parole, le syndicaliste Ashok Subran a lui plaidé pour l'élimination des comités disciplinaires. Bon disciplinaire, c'est un des plus gros problèmes qui restait, qui disait ça. Mon front là, c'est l'inquiétude qui nous permet d'amener à porte pour nous faire réintégrer Yogita. Nous pouvons amener un combat pour nous casser ce système. Bon disciplinaire. Pas capable de continuer avec ce cinéma. Bon disciplinaire là, bon disciplinaire indépendant. C'est pas bon disciplinaire ça, c'est la cour patron ça. Ouais. Quand on est là-bas, ça veut dire. C'est qui va l'en décider. Pour faire un beau disciplinaire, un avocat prend 150 000 aujourd'hui. Prend 200 000, ça. C'est un business qui beaucoup d'un avocat faire. OK? Ensemble avec le problème qui est au c'est bien aujourd'hui, nous devons adresser sa question beau disciplinaire là. Et Kalichet est une responsabilité. Tout bonne fédération du pays, et jeunes ensemble. Mais nous, du fond, d'un premier temps, le fond peut accorder tout ce soutien au président Yamka. Et en même temps, nous décidons d'envoyer une correspondance officielle au Premier ministre au nom de sa plateforme-là, pour solliciter une rencontre d'urgence avec lui. L'os assisé là. Et il est là par la suite, nous pour, parce qu'il y a aussi une autre organisation qui vient prendre contact avec nous, nous pour rejoindre, pour capable décider de la marche à suivre. Pravin Ramban est le nouveau président du Sugar Investment Trust. L'ancien maire de Vakwa Phoenix a reçu sa lettre de nomination en début de semaine et il est entré en poste mardi. Pour Pravin Ramban, son nouveau challenge est d'œuvrer à faire du SIT un organisme plus rentable. Bon, toujours comme d'habitude, quand on nomme, moi, on fait mon délivre. On fait des quenas et on corrige, nous venons. On fait travail à manger. Pour satisfaction, ben, c'est rodé. Et oui, mais je me passe ma confiance à la hauteur, comme dans tout le monde des autres postes qui m'ont occupé. J'ai mené un ASD, c'est les meilleurs, et aujourd'hui, là-bas. Mais la confiance en moi, parce que je délivre, with honesty, dedication, and hard work, pareil qu'on apporte tout le monde faire, c'est à cause de ça, je ne choisis pas. Oui, à la hauteur, faire des villes profitables, ouais, ça me challenge. Tout à fait autre chose, le trail, l'activité sportive qui a la cote en ce moment, ils sont des centaines de Mauriciens à en faire chaque week-end. Le Dodo Trail, l'un des événements sportifs phares du groupe IBL, fera son grand retour le samedi 15 juillet avec sa 11e édition. Celle-ci verra la participation d'athlètes mauriciens de renom ainsi que des pointures internationales. Réputé pour son exigence technique, ce trail traverse les forêts indigènes du sud-ouest de l'île jusqu'aux hauteurs sauvages, offrant des vues
imprenable sur le lagon. En amont de la compétition, une rencontre a eu lieu cet après-midi entre les organisateurs et les coureurs élites locaux et internationaux à l'hôtel Tamasa Belle-Ombre. Pour rappel, le Dodo Trail comprend plusieurs courses, notamment le Extrême 50 km, le Troupe 25 km, le Venture 10 km et le Rookie 5 km. La préparation du Dodo Trail pour moi démarre à partir de... du début d'année, en janvier, ok. Sur des formes assez courts pour prendre un peu de la vitesse, pour travailler vraiment la vitesse de course. Et ensuite, au fil des mois, à partir de mars, avril, je commence à enchaîner des courses un peu plus longues pour mettre un peu de kilomètres et un peu plus de dénivelé. Donc souvent, il y a des courses de préparation que j'inclus dans mon calendrier. Pour préparer la course. Et après, c'est des entraînements assez réguliers, deux fois entre 12 et 15 heures semaine, très spécifiques, avec des séances très spécifiques. Et voilà, donc mes attentes sur le Dodo Trail, on va dire, on va essayer de bien faire. Donc, l'important, c'est de participer. Et après, on verra le jour de la course si les gens me répondent et si ça se passe bien, ben, je vais faire de mon mieux. Et après, on verra par la suite où on se situe à l'arrivée. Et puis, il existe une voie pour mettre fin au sida comme menace de santé publique d'ici 2030. Mais un déficit de financement croissant freine l'accélération des progrès, explique la directrice exécutive de l'ONU Sida, Winnie Byanyima, lors d'une conférence de presse au Palais des Nations à Genève. Une feuille de route présentée dans le nouveau rapport de l'organisation montre qu'il existe une voie, mais est avant tout un choix politique et financier. En 2015, les Nations Unies ont fixé pour la première fois l'objectif de mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030. The data and evidence in the report we are releasing today shows that there is a path that ends AIDS by 2030. The path that ends AIDS is the same path that will help societies to be prepared for future pandemics, and that will also help countries to achieve the Sustainable Development Goals. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne